Vikash Dorasso, depuis son propre camp, envoie le ballon loin devant à destination de Govou. Vif et rapide, Govou prend tout le monde de vitesse et marque. Lyon mène 1-0 face à une équipe bordelaise, dépassée sur cette action par la vitesse de Sidney Govou, capable de transformer en but des ballons donnés dans les conditions les plus difficiles. Corner, joué entre Savio et Poletta. Centre, repris de la tête par Chanoun, un jeune joueur de 22 ans formé à Bordeaux. Lyon pêche dans le jeu aérien puisque sur un nouveau corner, Coupé et sa défense sont encore pris en défaut. Sommeil frappe à bout portant et marque un deuxième but pour Bordeaux. Sommeil très solide a imposé sa présence physique dans la surface. Bordeaux prend l'avantage. 2-1, premier renversement de situation dans ce match. Bordeaux subit en deuxième période. Carrière délivre un de ses centres dont il est un grand spécialiste. But de Luyindoula. Lyon égalise à 2-2. La puissance offensive de Lyon reprend le dessus. Contrôle poitrine de Luyindoula. Carrière décale Tony Vérel qui centre. Luyindoula poursuivit son action et coupe la trajectoire du ballon pour le pousser au fond. 3-2 pour Lyon. Match spectaculaire, Lyon reprend l'avantage, inscrit encore une fois beaucoup de buts à Gerland, mais doit s'employer pour se défaire d'une équipe bordelaise de qualité. Le quatrième but de Lyon est inscrit par Vérel. Lyon a montré du caractère pour revenir de 1-2 à 4-2 et remonte à la deuxième place.